En couture. Ông chúng đẹp cảm to cái dòng là càng để tệ thì sẵn là cả sẵn là càng được ngày đi ông chúng đẹp to sắp đặt cái cầm sợ xây bị lấy hú hay nâng bước chân bằng miền phía ông chúng đẹp nâng đàm thư sẵn là cả sắp đặt đàm đằng rọt ở bên đi để miền hà dân niệm phí thì CCP phí rồi hà dân pram cái làng kỳ sẵn là cả cái nhà chiều sĩ hoang là cái cầm phí sản phẩm វត្តមានអវត្តមានភិក្ខុនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនះក៏ហើយជួយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្មនាការនៅថ្ងៃនេះ ក្លាវិនជីក៏សម្គាល់ឃើញថា គ្រប់ភិក្ខុទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន ដោយឡែក លោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសម្មនាការនេះ ដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សម្មនាការ លិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយសាក់សីដែលត្រូវមកដោះសុខីកម្មបន្តបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីមាសឡៃហួរលោកស្រីមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះនៅថ្ងៃនេះផងដែរមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបំរុងមួយរូបដែលមានរហស្សនាម ពីទីស៊ីស៊ីភី265សូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណដូចជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសម្រាប់សុំរបស់ជួបចោតដូនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសម្មនាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះរបស់ជួបចោតដូនជាចុះថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសម្មនាការនៅថ្ង
Eh bien, ce sera d'ailleurs le dernier sujet que je vais aborder dans quelques minutes. Et pour résumer, sur place, étiez-vous obligé de vous soumettre strictement aux ordres et aux instructions qui vous étaient données par vos chefs sur le barrage, sur le site du barrage du 1er janvier? Est-ce qu'au barrage du 1er janvier, est-ce que vous vous êtes jamais senti respecté en tant qu'être humain par les cadres Khmer Rouge? Pour autant, bénéficiez-vous de droits ou de libertés? Mais si l'on pouvait comparer avec la période d'aujourd'hui, que diriez-vous? Est-ce que vous aviez des droits et des libertés en tant que peuple de base? Avant de revenir au mariage, à l'organisation des mariages, j'aurais tout d'abord, avec l'autorisation de Monsieur le Président, deux photos que je voudrais vous montrer et vous remettre, ainsi que les projeter à l'écran. Il s'agit des documents E3-3282 et E3-3283. Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ces photos à Madame le témoin? Alors, je crois que ça va être affiché dans un instant. Je vous demande, Madame le témoin, de bien regarder ces deux photos et de me dire si ce que vous y voyez correspond à vos souvenirs d'un lieu se trouvant sur le chantier du barrage du 1er janvier. Est-ce que vous avez jamais entendu ou vu qu'une délégation de femmes laotiennes s'était rendue au barrage du 1er janvier? Et encore une fois, on sait bien que le barrage couvre une très large étendue, donc c'est tout à fait possible que vous n'ayez rien vu. Sur ces deux photos, il y a une dame qui est en blanc et qui a des lunettes. J'ai pointé avec un petit point bleu sur cette personne, sur cette photo. Est-ce que on vous a dit qui c'était à l'époque? Khnyom at ban dang phong.
Très bien. J'ai également deux extraits de documentaires de l'époque que je voudrais projeter à l'écran avec l'autorisation de Monsieur le Président. Il s'agit tout d'abord d'une vidéo E3-3049R entre 0 seconde et 2 minutes 6. Est-ce que, Monsieur le Président, nous pouvons avoir l'autorisation de projeter ce document? Good morning, thank you, Mr. President. I have no objection. I've seen the footage. I've seen the other photos just shown. Maybe it's for whatever reason, but I wasn't able to establish that these excerpts were in fact related to the first January dam. It is obviously related to a dam. But I would like to hear from the prosecution why the excerpts that we are going to be seeing now are in fact excerpts from the first January. Eh bien, justement, nous sommes là pour voir si ces images permettent à Madame le témoin de reconnaître un certain nombre d'infrastructures sur place. Et il est possible que ce soit le barrage du 1er janvier. Il est aussi possible que ce soit un autre barrage. Et donc, je pense que le témoin pourra nous dire ce qu'il en est. Merci. Donc je vais attendre que ce soit projeté. Il y a d'abord quelques secondes d'écran noir et puis cela va démarrer. Donc Madame le témoin, en attendant que les films soient projetés, je vous demande de bien regarder les images et de nous dire par la suite si vous reconnaissez certains endroits qui seront montrés. Donc voilà, il y a plusieurs questions que je pourrais poser. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez ces infrastructures comme étant celles
du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier. Il y en a plusieurs. Il y en a notamment une la grande infrastructure que l'on voit vers la fin du film avec les gens qui se trouvaient dessus. À la fin du film, il y a cette foule qui est rassemblée sur ce déversoir principal, je crois, ou ce pont. Est-ce que cela correspond à un événement que vous avez vécu sur place? Hier, vous nous avez parlé du moment où le leader chinois était venu visiter ce barrage du 1er janvier. Est-ce que c'est au moment de cette inauguration qu'il était là? Ou bien c'est un événement séparé? Très bien. Et dernière question à propos de ce film. Au début du film, on voit une colline avec différents étages de terre qui sont comme découpés en couches. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de mesurer le nombre de mètres cubes que les travailleurs devaient transporter? Et est-ce qu'il mesurait cela avec des instruments de mesure, des cordes? Comment est-ce qu'il faisait? Bien, j'ai une deuxième vidéo, plus courte, Monsieur le Président. Il s'agit de la vidéo E3-3014R. Et le temps est entre 0 seconde et 34 secondes, et puis entre 2 minutes et 6 secondes. Et 2 minutes et 23 secondes. Pour la facilité de l'audience, nous avons regroupé ces deux segments, deux parties de cette vidéo en un seul clip. Est-ce que j'ai l'autorisation également de présenter cette vidéo et de la projeter à l'écran, Monsieur le Président?
Mr. President, observation. I watched both clips as well, and I'm fairly sure that in one of the two clips there was also audio. You can hear Khmer voice speaking. I was waiting for the second clip to be played because I wasn't sure which one of the two. But I think it would be helpful if we would also hear the audio sound. Effectivement, je crois qu'une des deux vidéos a, à un moment donné, une commentatrice qui parle dessus, mais je ne suis pas sûr que c'était la deuxième, justement. Et la première, en fait, fait 25 minutes, et c'est seulement dans la deuxième partie du film qu'il y a un commentaire. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de faire autrement, mais en tout cas, voilà, je ne crois pas non plus que le commentaire apporte grand-chose. C'est un commentaire de propagande de l'époque, je crois. Mais je ne pense pas que ce soit sur la deuxième vidéo, justement, qu'il y ait ces extraits de commentaire. I don't know what it says, so I think it would be beneficial to all parties if we were able to hear at least the sound of that woman saying things. Counsel, if you consider it relevant, you can play it in the time assigned to you. There is no objection to that. Effectivement, si je peux maintenant poser une ou deux questions à propos de ce film, Madame le témoin, est-ce que là aussi vous avez pu reconnaître des endroits familiers ou peut-être même des gens dans ce film? Est-ce que c'est un film qui montre des images de construction du barrage du 1er janvier ou du 6 janvier ou bien vous ne le savez pas? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les gens couraient sur cette vidéo? On a vu à un moment donné que beaucoup de gens couraient avec la terre qu'ils devaient transporter. Bien, j'ai un dernier sujet à aborder, c'est celui des mariages arrangés. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en citant un extrait de votre procès-verbal d'audition, D166-38, à la page en Khmer 0023-9932. En français, 00283910. Et en anglais, 00024165. Donc vous avez dit ceci. À l'époque des Khmers Rouges, le mariage coutumier a été interdit. On choisissait un nom et demandait si la personne nommé était d'accord ou non. Quant au peuple nouveau, leurs couples ont été imposés.
Après 1979, ceux qui ne s'étaient pas plu ont divorcé. Je me suis marié en 1978, où il y avait 25 couples de mariés. Après mon mariage, on m'a ordonné de vivre dans la coopérative. Pendant la journée, on nous faisait travailler séparément, mais la nuit, on nous autorisait à être ensemble. Alors, dans cet extrait, il semble qu'il y ait une distinction faite entre le mariage, entre couple du peuple de base et couple du peuple nouveau. Je vais vous poser des questions. Tout d'abord, sur les mariages de couple du peuple de base. En ce qui vous concerne, vous et votre mari, qui a pris l'initiative de ce mariage? Est-ce que c'est vous-même ou bien est-ce que ce sont vos chefs? ខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំជាអ្នកប្តីដើមរៀបការនេះខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំខ្ញុំពជាជនចាស់ម្ដាយនិងម្ដាយគាត់ត្រូវគ្នាគាត់ដឹងឲ្យអញ្ចឹងបន្តែអង្គការរៀបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអត់មានស្រឡាញ់គ្នាអីទេតែយូរខកប្រវត្តិគ្នាព្រោះប្តីខ្ញុំ ការជំនន់សៀននោះប្តីខ្ញុំលពុកក្មេងខ្ញុំគាត់ធ្វើគ្រូបង្រៀនគេថាប្រវត្តិខុសគ្នាគេអត់គេអត់រៀបឲ្យខ្ញុំណាហួយគេយកខ្ញុំទៅឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះក៏ខ្ញុំអត់យកខ្ញុំថាបើមិនបានប្តីទេមកយកក៏ខ្ញុំអត់យកប្តីដែរបើមិនបានមួយហ្នឹងហួយទៅអង្គការគេរៀបឲ្យខ្ញុំទៅ Concernant les 24 autres couples qui étaient là avec vous à la célébration d'engagement, qui a choisi pour eux? Est-ce que c'était la même situation ou bien il y avait d'autres situations parmi les gens que vous connaissiez qui se sont mariés? Est-ce que dans votre unité, il y a des femmes qui se sont mariées en même temps que vous, des femmes du peuple de base? Et votre collègue qui a divorcé, est-ce qu'elle avait choisi son mari ou bien est-ce que quelqu'un avait choisi pour elle? Est-ce qu'elle a eu l'occasion de refuser ce mari? Vous avez parlé des gens du peuple nouveau, vous avez dit que les couples étaient alors imposés. Est-ce que si vous savez si on vérifiait minutieusement la biographie des futurs mariés avant qu'ils se marient? ទោះបីយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងម៉ែឪត្រូវគ្នាក៏គេអត់ចង់រៀបឲ្យដែរព្រោះប្រវត្តិកសិករប្រវត្តិអនុធនទន់
đây nhóm quả con cụ bằng riêng bị dừng cung riêng nữa tại kẻ chẳng ao thì kẻ chẳng riêng ở nhóm thế tôi chết đạch bằng cái riêng ao cái nôm nhóm tự vô nè tự vô nó kịp cụ ở nhóm bằng nhóm ở vô nhóm thà nhóm sọc chất nơi có mông chẳng cho nhóm ở vô từ đây hồi tới có ông ca cái riêng ao tới Est-ce que les gens du peuple nouveau pouvaient se marier avec des gens du peuple de base? Riebka ban chi moi khnia. Riep ta mdaong nang chungka tau ko 20 ku tau chungka ko 25 tau khnyom 25 ku ngai riep khnyom. Je crois que ma question était mal traduite ou mal comprise. Je vous demandais si, par exemple, un homme appartenant au peuple nouveau, qui était amoureux d'une femme du peuple de base, pouvait se marier avec elle. Est-ce que donc ces mariages entre gens du peuple de base et gens du peuple nouveau étaient possibles à l'époque? Est-ce qu'on vous a jamais expliqué pourquoi c'était interdit et pourquoi on séparait peuple de base et peuple nouveau concernant les mariages? En ce qui concerne les cham, est-ce que les cham devaient se marier à d'autres cham ou bien pouvaient-ils se marier avec des gens du peuple nouveau? Khang khyom ot ban ne cham yo cham ni ai ot riep ke ot riep aoy phong khyom ot dai khoeng Et est-ce qu'ils avaient le choix de se marier avec qui ils voulaient ou bien c'était la même situation que le peuple nouveau? On leur imposait un futur marié ou une future mariée. Est-ce que durant la cérémonie, celui qui l'a présidé vous a dit quelque chose au sujet de la consommation du mariage ou au sujet des enfants à naître du mariage? Vous avez travaillé longtemps au site du barrage du 1er janvier et du 6 janvier. Est-ce que vous savez si les femmes qui travaillaient sur ce site, vu leur état de fatigue, avaient toujours leurs règles et étaient toujours en état de procréer? មកដល់ដីមកធម្មតាទេទោះបីជាគាត់ហត់អីខ្លាំងអញ្ចឹងក៏នៅតែមានធម្មតាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយអាចមានកូនមានអីបានទេមកធម្មតាអ្នកខ្លះឈឺទៅក៏គ្នាពីរបីខែមកម្ដងអីយើងទៅណាវាអត់ទៀងដែរអ្នកដែលសុខភាពល្អទៅក៏គេមករាល់តែខែទៅ
Bon, je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Je pense laisser la place à un consoeur de la partie. Pardon, je voulais juste vous dire merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour Madame le Témoin, je m'appelle Marie Guiraud, je suis avocate internationale et je représente les intérêts du collectif des victimes qui se sont constituées parties civiles dans ce procès. J'ai quelques très très courtes questions à vous poser aujourd'hui. Et je vais commencer par vous demander des précisions sur ce que vous nous avez indiqué hier au sujet de la présence de soldats du district de Bahreï, nous avez-vous dit. Et vous avez indiqué hier que ces soldats surveillaient les travailleurs sur le chantier et qu'ils étaient armés. Je voulais savoir si vous vous souveniez de quel type d'armes ces soldats disposaient. Je vous remercie. Avez-vous déjà, à l'époque, vu ou entendu certains de ces soldats faire usage de leurs armes sur le chantier? Je vous remercie. Vous avez indiqué hier que ces soldats surveillaient le chantier. Je voulais savoir si vous étiez également surveillé dans les baraquements où vous vous reposiez la nuit. Est-ce que vous aviez à l'époque constaté la présence de gardes ou de soldats au niveau de l'endroit où vous dormiez? អត់ដែលឃើញផងគេនៅកន្លែងគេពួកចល័តដល់ពេលធ្វើការរួចមកនៅកន្លែងចល័តគេពួកយោធាស្រុកគេនៅកន្លែងយោធាស្រុកគេមកក្រុមទៅដល់ពេលព្រលឹមឡើងម៉ោង 3 អញ្ចឹងគេមកផ្លុំកញ្ចែដាស់យើងឲ្យតម្រង់ជួរទៅធ្វើការខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹង បាទអ្នកណាមិនដូចអ្នកឈឺអញ្ចឹងបានគេចូលមើល គេចូលមើលគេចូលរាប់ថាអ្នកឈឺនៅក្នុងភូមិនេះប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងណាគេដើរទៅគេគាត់អវត្តមានទុកមើលថ្ងៃក្រោយមានអ្នកឈឺនឹងមុខកដែលអត់គេដើរមើលតែអញ្ចឹងឯងបើយប់អីគេអត់ដើរមើលផង Je vous remercie. Je voulais savoir si, pendant la période dans laquelle vous avez travaillé sur le barrage du 1er janvier, vous avez été témoin d'accidents sur le chantier. អ្នកនៅកាប់ពីក្រមអញ្ចឹងទៅវាលុំដីពីលើមកសង្កត់ងាប់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងតែមិនមែននៅក្នុងសង្កត់ខ្ញុំទេណាសង្កត់គេនៅម្ដុំម្ដុំម្នាក់អោះគេរែកភូមិគេយើងរែកភូមិយើងណាភូមិគេហ្នឹងឯងដីធ្លាក់ពីលើមកសកត់ងាប់ទៅអ្នកកាប់មិនមែនរែកទេអ្នកកាប់ឯនៅស្ងៀមនៅចាំដាក់កាយដាក់ពកីអូខេហ៎គេអ្នករែកគេទៅផត់ផត់ទៅ
Je comprends. Est-ce que vous avez su à l'époque ce qu'il est arrivé aux travailleurs dont vous parlez, qui étaient en aval du glissement de terrain? Est-ce que vous savez si ces personnes ont survécu ou non? Je vous remercie. Avez-vous su à l'époque s'il y a eu des accidents au niveau du déversoir principal dont vous nous avez parlé tout à l'heure, du bassin principal? Je vous remercie. J'ai une, voire deux dernières questions. Vous nous avez indiqué un petit peu plus tôt ce matin, en parlant de la question des mariages, que l'une de vos collègues d'unité avait divorcé après avoir été mariée. Je voulais savoir si le divorce est intervenu pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire avant janvier 79, ou si elle a divorcé après. Je vous remercie. Est-ce qu'il était possible, pendant le régime, de divorcer? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, dont vous avez été témoin? Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure au coprocureur que, une fois que vous aviez été marié, vous étiez allé vous reposer. Je voulais savoir si vous avez, à un moment quelconque, après votre mariage, été surveillé pour savoir si vous vous entendiez bien avec votre mari ou non. Quand vous dites que les miliciens sont venus vous surveiller, sont-ils venus simplement le soir de la cérémonie du mariage ou vous ont-ils surveillé à plusieurs reprises? Pouvez-vous être un petit peu plus précise sur le nombre de fois où les miliciens sont venus, dites-vous, vous surveiller? Oui.
គេមកលបមើលយើងអត់មានសែនមានប្រេនអីជីដូនជីតាអញ្ចឹងណាតែគេឈប់មកទៅ Dernière question, avez-vous eu l'impression à l'époque que les miliciens surveillaient le fait que vous consommiez le mariage avec votre mari? Bạn cái giờ ta mau đông mau tới ắt lư sâu ấy có cái chóng mau tới. Kê mên tam tới dương tới nẻ riệp kê tam tới chăng tới ọc khỉ ai. Ờ tới nẻ riệp kru sa thmây thmây. Je vous remercie madame le témoin d'avoir répondu à mes questions. J'en ai terminé monsieur le président. Lok srei sa sai lok vuthien khnyom chap hai som okun lok vuthien. Thank you, Mr. President. Good morning, Madam Witness. I would like to start with asking you a few questions about some people that you might have known at the time. In your statement to the investigators, you spoke about some other female cadres from your unit. You talked about Nai, Lim, Ut, Ri, and Tan. Just now you mentioned, I think, in relation to a question about marriage and somebody who got divorced, a woman called Ri. Is that the same woman Ri from your unit? The one who got divorced, is that the Ri from your unit? គឺលោកស្រីនិយាយពីនារីម្នាក់ឈ្មោះរីតបានលាលែងលះគ្នាតើរីហ្នឹងជារីមកពីកងរបស់លោកស្រីនោះតើមែនដែរទេចាមែនឈ្មោះរីហ្នឹងនៅកងជាមួយខ្ញុំហើយនៅផ្ទះចិត្តខ្ញុំទៀតនៅភូមិជាមួយគ្នានៅភូមិត្រោះជាមួយគ្នា While I'm on the subject of this woman named Ri, you said that she was divorced after 79. Do you know which year she got divorced? I don't know. 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 I don't But do you know whether she was divorced in recent years, let's say 5 or 10 years ago, or was she divorced in the years after the regime fell? Do you know the reasons why she got divorced?
Of course, that I understand. I would like to ask you a question about another female companion from your unit, a woman named Ut. What do you remember about this woman, Ut? I will read the answer that you gave to the investigators, maybe to refresh your memory. That is D166-38 English 00244166. French 00283511 and Khmer 00239932. The question was asked to you, do you remember the names of anyone who worked in your special unit? You said, and I quote, there were 12 people in my team. I remember Nai, female, Lim, female, Ut, female, Ri, female, Mom, female, and Tan, female. I have questions about Ut. Does it now ring a bell who Ut was? Would it be possible that her full name is Kang Ut? Do you know if her husband is named Sem Ri? Thank you. Mr. President, I'm referring to document D166-18. Technically, I should have maybe referred to Kang Ut as TCW855. I would like to read a passage from her statement to the investigators. It's English ERN 0023-3532, Khmer 00229055, and French 00268959. English is the third page. Madam witness, your colleague Kang Ut was also asked some questions, not very many, by the investigators, and I would like to read to you one of her answers, and I would like to ask whether you have anything to say about what she says. Question. Did anyone
get sick at the first January dike work site? Ut answers, a number of people got sick because they overworked and became so exhausted. Some of the diseases include fever and stomach pain. There was no hospital, but there were mobile medics. There were medicines known as rabbit droppings medicine. When someone was seriously ill, they would be sent to the faraway hospital. No one was wanted to be left dead at the site. Is that in your recollection a correct statement that Kang Ut gave about the medical situation? Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons en fait pas vraiment d'objection, mais nous tenons quand même à signaler que ce document ne se trouve pas sur l'interface. Il aurait été plus élégant de la part de la défense de la communiquer ce procès-verbal à tout le monde, y compris au juge avant l'audience. Ceci dit, nous ne formulons pas une objection particulière, mais je pense quand même que la pratique veut qu'on communique les documents à l'avance à toutes les parties. Merci. True, I apologize. It just came up this morning, too late to be putting this document on the interface. I nevertheless asked leave to ask this question. Madam Witness, you heard this short excerpt from Ut's statement. Is it correct what she testified to? And she talks about a faraway hospital. Do you know which hospital it was that sick people who stayed sick at the site were sent to? Do you remember anybody from your unit who got sick, who first went to the mobile medics but stayed sick and was then sent to the district hospital? I didn't hear the first few words of your answer, but do you know any concrete examples of women within your unit who got sick and then were sent by the medical units to the district hospital? Do you remember any particular female worker in your unit to which this happened? My last question about Ut's statement, she said to the investigators that no one was wanted to be left dead at the site.
Would you agree with her? ចាយល់ស្របពួកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងដែរដោយគាត់និយាយអញ្ចឹងតែអ្នកឈឺធ្ងន់គេបញ្ជូនទៅហើយគេអត់ឲ្យស្លាប់នៅនឹងទេព្រោះពេទ្យវាពេទ្យតូចតាចពេទ្យភូមិពេទ្យអីទៅរៀនតែ 4-5 ថ្ងៃគេឲ្យមកចាក់ថ្នាំបានហើយមិនឡើយគេបញ្ជូនទៅពេទ្យធំៗហើយ Let me rephrase my question to be maybe more clear to you. Was anybody ever left dead at the first January dam site because he or she was sick? Tuk ai mien manu slap nau karathan da sa te kot chue da re te. At mien te. Thank you, Madam Witness. You have testified that you yourself are from Thras village in Balang district. Do you know a village also in Balang district called Prey Srang village? I'm sure it's my mistake, but I meant a village called Prey Srang village. Khyom chang niyam pi phum Prey Srang. At mien de phum Prey Srang mien da phum Prey Srang ngai. Nơi chọp nâng phùm trọt nâng đài. I think we talk about the same village. My apologies for my Khmer pronunciation. Do you remember who was the village chief of Prey Srang village? Does the name Ao Hau ring a bell? ឈ្មោះអោហោនឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើប្រធានភូមិដែរតែធ្វើពីយូរហើយដល់ក្រោយៗគេផ្លាស់ប្រធានភូមិទៀតខ្ញុំអត់ដឹងតាហោហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់អ្នកភូមិព្រៃសង្ហាយហ្នឹងឯងគាត់ប្រធានសហគមន៍ព្រៃសង្ហាយហ្នឹងណាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់តែគេផ្លាស់ប្រធានភូមិក្រោយៗទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេ I think we're talking about the same person. What else do you remember about Ao Hao? ខ្ញុំអត់បានចាំផងព្រោះខ្ញុំអត់ដែរធ្វើការជាមួយគាត់គាត់ប្រធានភូមិផ្សេងខ្ញុំប្រធានភូមិផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹង But do you remember anything in terms of that he was a good village chief, or that he was a particularly cruel village chief, or anything that you might recall about him would be helpful?
I understand. You worked with your colleagues in the special mobile unit at the dam. He testified before the trial chamber last week and said that he also worked with around 100 people from his village at the first January dam work site. Do you recall having seen him and the people from his village working at the first January dam work site? ដែលឃើញគេឲ្យមកគ្រប់ភូមិគេមកភូមិយើងធ្វើរោងនៅមកភូមិដែលក្នុងមកសកាត់បលាំងដូចជា10ភូមិគេឲ្យធ្វើ10រោងអញ្ចឹងណាធ្វើជួជាមួយគ្នាក្នុងភូមិបលាំងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើការតែគាត់ល្មិចសាហាវមិនខ្ញុំមិនដែលដឹងទេ Would you be able to tell us something about the distance between the sleeping barracks from your unit and the sleeping place from his village? Was it very close by? Was it next to each other? Can you recall? ចានៅក្នុងឃុំម្លាំងហ្នឹងគេឲ្យដូចថាដប់ភូមិនៅទំទំគ្នាចុងកាលហ្នឹងគេធ្វើដើរជួកដាលអញ្ចឹងទៅរោងមួយខាងម្ខាងអាខាងនេះមួយអាខាងនេះមួយអញ្ចឹងណាមកជួមកជួទៅក្នុងមកឃុំហ្នឹងដប់រោងធ្វើពីរជួទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងទៅតែយើងដាំបាយហូបផ្សេងផ្សេងគ្នាមកភូមិឆ្នាំមួយមកភូមិឆ្នាំមួយអញ្ចឹងទៅ So, to make sure I understand, all villages from Balang had their work site and the sleeping quarters next to each other. Is that correct? Mr. President, I'm looking at the clock. There's a very specific topic that I would address, which will take a while. Would it be an appropriate time to take a break? សំខាន់មួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាចំណាយពេលវេលាច្រើនគួរសមដូច្នេះលោកប្រធានសម្រេចថាសម្រាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10កន្លះសូមអញ្ជើញយើងវិញដើម្បីបន្តកិច្ចចំណាយការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការសម្រាប់រួមប្រដៅកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំនិងអ្នកជំនាញដល់សាកសីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងឲ្យជ